Bonsoir pour le 73 mars sur la place de la République. Nous sommes donc en plein nuit debout et il fait un temps assez exceptionnel. Donc on commence nos hostilités ce soir avec des invités qui ne sont pas là pour faire leur pub. Déjà, d'une. Quoique. Ils ont leur matériel à eux perso. Ils sont plutôt là pour expliquer pourquoi tout ça est mauvais pour nous. Donc d'abord, on va faire un petit tour de table, enfin un petit tour de tabouret. Et vous allez vous présenter. Donc, monsieur. Moi, c'est Christo. K. Sacha. Avec un S. Leïla. Avec un Y. j'ai pas entendu. Leïla, d'accord. Donc en fait, d'abord, l'idée, c'est quoi en fait? Un collectif anti-pub, ça sert à quoi? Est-ce que c'est principe derrière? Parce que globalement, la pub, moi, on vit au milieu de la publicité depuis qu'on est né. Même quelquefois avant, parce que quand une mère arrive à l'hôpital, on lui fournit la petite valise avec la petite bouteille d'Evian, Nestlé, les petites napperons Pampers. Enfin, d'entrée, on commence déjà à habituer la mère à essayer de rentrer dans un trip. Donc c'est quoi? Ça veut dire quoi d'être contre tout ça? Parce que c'est quelque chose qui nous parcourt, qui suit toute notre vie. Déjà, c'est le constat que c'est vrai qu'il y en a depuis un moment, mais il y en a de plus en plus, quoi. Ouais. Et on peut plus faire un pas sans tomber sur une pub, quoi. Il y en a partout, quoi. Dans nos boîtes aux lettres, sur nos télés, dans nos radios, dans la rue. Et je veux dire, bon, la télé, à la limite, on peut l'éteindre ou on peut la casser. Bon, c'est pas grave, on peut l'acheter par la fenêtre. Mais dans la rue, dans le métro, dans l'espace public, quoi, on peut pas, on ferme les yeux si on veut pas la voir, c'est le seul moyen, quoi, et on se casse la figure. D'accord. Donc déjà c'est ce constat-là. Donc c'est bon. Ensuite, mais, et en plus c'est quelque chose qui est répandu, je pense, chez la plupart des gens. Hein, si on fait des sondages, on fait des publicités, si on fait des sondages, on se rend compte que la plupart des Français trouvent qu'il y a trop de publicité, qu'ils en ont marre, quoi. D'accord. Donc c'est vraiment. Alors après, on se dit qu'est-ce qu'on peut faire contre la pub. Ouais. D'accord. Et donc, quelle est ta position, Sacha, là-dessus? Enfin, pourquoi, à ton avis, il y a nécessité d'avoir un collectif anti-pub? Je trouve que le rôle d'un collectif anti-pub à Nuit Debout est relativement intéressant et important, parce que la place de la République, c'est surtout une récupération d'espace public. On s'approprie cette place, et les panneaux dans la rue font aussi partie de l'espace public, et les affiches font aussi partie de l'espace public, et si on veut les réapproprier pour diffuser nos messages, je trouve qu'on est légitime de le faire, car le papier, c'est un médium qui peut être super pour faire passer des messages qui peuvent être beaucoup plus optimistes et beaucoup plus beaux que consomme. Mais en gros, qu'est-ce que tu voudrais en fait? Peut-être Leïla, tu pourrais répondre à cette question. Qu'est-ce que toi, tu imaginerais? Et est-ce que déjà, pourquoi toi, c'est important d'avoir un collectif anti-pub? Et puis, pour faire quoi à la fin? Alors déjà, pourquoi tu fais partie de ce collectif anti-pub? Bah, c'est la même raison qu'il a dit Sacha, c'est que ouais, je trouve ça tout à fait légitime dans le contexte de cette répression. Bah, comme il a dit, la réappropriation de l'espace public et... D'accord. Et une partie du contrôle contre lequel on se révolte, en fait, la pub, c'est un outil... utilise du coup, enfin c'est un peu devenu un outil de propagande et donc je trouve ça totalement logique et voilà, qu'on agisse contre cette ça. Idée, cette idée de propagande, à ton avis, qu'est-ce qui est vendu à travers la publicité? Ah, justement, le message de consomme et ferme ta gueule. C'est ça. Voilà, fais fonctionner le système en consommant et les produits qu'on veut que tu consommes, parce qu'il y a des lobbies derrière, parce qu'il y a tout ce qu'il y a derrière. D'accord. Alors, par exemple, est-ce qu'il y a d'autres messages qui vous irritent, en fait, dans la publicité? Enfin, il y a effectivement ce message de consommation, mais... Oui, le message de la croissance à tout prix, de la consommation, de dépenser. Oui. Et puis, il y a évidemment tous les ben, non seulement l'excès de publicité, mais c'est vrai qu'il y a aussi la publicité qui est agressive en soi, quoi. D'accord. Et puis, qui est sexiste. Hein. On nous vend des corps de femmes en permanence... pour nous faire acheter n'importe quoi, hein. On a acheté une bagnole, on met une femme à poil, enfin peu importe, on peut vendre un rouge, c'est n'importe quoi, de la colle à papier peint, des yaourts, voilà.
Elle est sexiste, que ce soit pour les corps d'hommes ou de femmes, enfin souvent de femmes. Elle est agressive, elle est parfois très violente, et parfois hyper violente. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont interdites alors qu'elle devrait. Enfin, par exemple, il y a des campagnes de pub, enfin des campagnes de communication pour des associations militantes comme Amnesty International qui était contre la torture, ouais. Mais qui montrait un jean. Et donc ça gênait les annonceurs qui vendent des jeans. Alors d'accord. Ça a été interdit. Enfin, ce genre de. Il y a vraiment. Ah oui, donc ça, en fait, un effet pervers. L'effet aussi de censure que peut avoir en fait la publicité sur l'information en fait. Tout à fait. Voilà. C'est pas une information parce qu'on nous dit c'est de la communication. Avant c'était la réclame. Après ça s'est appelé la publicité parce que réclame ça faisait pas bien. Et maintenant, ils disent communication, ça va être le nouveau mot. Comme si on communiquait, alors que non, la pub, elle nous est imposée, c'est à sens unique. Oui, mais alors, on en parlait tout à l'heure, ça existe depuis un peu plus de 10 ans. Enfin, c'est né dans les années 2004, 2003. Enfin, il y a eu quelque chose à ce moment-là qui s'est passé. Oui, tout à fait. Et une sorte de ras-le-bol. Donc, dans le métro, on voyait des manifestations comme ça. Quels sont les différents types de manifestations de collectifs anti-pub ou d'actions anti-pub qu'on peut voir quelquefois à Paris, en tout cas? Il y a beaucoup de choses. C'est vrai qu'il y a toutes les buleuses. Il y a un rhizome anti-publicitaire. D'accord. Il y a des gens... Il y a des associations déjà qui existent depuis un moment. Il y a Résistance à l'agression publicitaire. Il y a des collectifs comme les Déboulonneurs. Il y a les Reposeurs. Il y a pas mal de collectifs comme ça. Et puis, il y a aussi des groupes qui se constituent, qui sont pas qui n'ont pas de nom ou qui n'ont pas d'association, qui n'ont pas de côté légal, qui font des actions. Il y a vraiment beaucoup de choses. Et c'est vrai qu'il y avait déjà des militants qui agissaient. Il y a aussi Paysages de France, j'oublie, qui font des actions en justice contre la publicité, qui obtiennent gain de cause souvent, mais ça demande beaucoup de travail. C'est vrai qu'en 2003-2004, dont tu parlais, c'est vrai que ça a été une explosion. Plaisir de France, c'est ça, Plaisir de Paysage, France Paysages de France. Et donc, Paysages de France, eux, c'est quand, par exemple, il y a des panneaux de pub à l'entrée d'un village, c'est ça? Voilà, c'est ça, à l'entrée des villes ou des villages. D'accord. Des panneaux qui, comme la plupart du temps, comme très souvent en ville ou en province ou à la campagne, les panneaux sont illégaux. Mais le maire ne fait pas respecter l'interdiction, le préfet ne le fait pas non plus, etc. Donc il y a des associations parfois qui saisissent les préfets pour qu'ils agissent et souvent ils n'agissent pas. Les tribunaux administratifs en général, c'est ça? Voilà, et souvent les préfets n'agissent pas, ils se font condamner en justice ensuite. Oui. C'est complètement délirant. D'accord. Mais bon, bref. Je voulais parler de 2003-2004 très rapidement. C'est vrai que c'était un grand moment parce que c'était les intermittents et précaires qui avaient lancé des actions. Il y a eu 100 personnes, 200 personnes qui sont venues à des points de rendez-vous pour aller barbouiller dans le métro des grandes croix noires sur les publicités. Mmh. Ensuite, il y a eu 300, 500 personnes. Et au troisième rendez-vous, il y a eu pratiquement 1000 personnes. Et là, la police est intervenue, il y a eu des plaintes. Ah oui. Ça a fait un grand procès, le procès des 62, contre Metrobus, la régie publicitaire de la RATP. Ça a été vraiment Et ensuite, suite à ça, il y a eu... Le mouvement a continué. Oui. Mais de façon... C'est de la guérilla, un peu. Ouais, hein. Voilà, c'était plus aussi massif et ponctuel, c'était plus diffus et un peu tout le temps. Et c'est vrai que c'est un peu le moustique qui gêne le gros ogre, le gros monstre publicitaire. Hein. Ouais, c'est ça. C'est la stratégie du moustique, c'est essayer de passer une nuit dans une chambre d'hôtel avec un moustique, vous n'en pouvez plus le lendemain. D'accord. Voilà. Mais même si on est très grand, très gros, on peut être gêné par des petits militants qui font des choses. Qui essaye de faire des choses. D'accord, mais ça c'est une. On pourrait nuit debout pourrait s'inspirer de ce type de ce mode d'action, c'est-à-dire d'être un peu le moustique qui pique et de gêner très régulièrement ces attaques contre un idéal humain, quoi. C'est un peu la mouche du coche, ouais. C'est ça. C'est possible. Mais même mes nuits debout, ça donne un nouvel élan. Hein. On voit tout de suite et ça profite entre guillemets à tous les mouvements militants. Ils recrutent à fond. Parce que je veux dire, c'est vrai. Et je vois la commission anti-pub. C'est pas une question de recruter, hein, je plaisante, mais ça s'est créé complètement spontanément ici par des gens. Et tu peux peut-être en parler. Oui, vas-y. Par des gens qui n'avaient pas forcément fait de militantisme anti-pub avant. Alors, on va laisser passer la protection civile. On va laisser passer la police, la protection civile. Merci, protection civile. Et ça, c'est super, c'est vraiment... Donc, Sacha, tu me disais tout à l'heure que la commission anti-pub à Nuit Debout fait un travail assez important en ce moment. Elle fait un travail, elle fait deux types de travail qui sont des détournements. Et elle fait surtout un travail qui est plus centré sur le débat.
où en général, c'est le mercredi vers 19h, on va se retrouver pour parler de ce qui nous dérange dans la pub et ce qu'on pense pour la remplacer, la supprimer ou la réduire. Et notre but, c'est l'écriture d'un manifeste qu'il faudrait qu'on sortirait de manière assez rapide. D'accord. Et c'est un texte qui est ouvert, du coup, qui n'est pas juste petite pub. Mmh. Et tout le monde doit participer. On a créé un Framadoc. Ouais. Où du coup tout le monde peut écrire ce qu'il veut de l'ébauche de manifeste. D'accord. Et donc derrière l'idée de ce manifeste, c'est quelle est l'idée de force en fait? C'est la volonté de supprimer la publicité, de la modifier ou d'en réduire son exposition? Quels sont les objectifs? Les objectifs sont pas encore définis personnellement. Je pense que c'est clairement impossible de la supprimer. Mais je serais plutôt pour réduire ou changer sa forme, juste penser, faire que la publicité soit pensée par des architectes et puis par JC Déco. Faire des choses grandes, genre une grosse pub, ça serait moins dérangeant que plein de petites pubs. Je vais pas plaire à tout le monde, mais je trouve que je préférais avoir aucune pub dans les abribus et un mur peint, genre Cubor, sur un pignon de rue. Donc par exemple, la pub Samsung en grand devant Apple, tu trouves ça marrant quoi? Non, c'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est qu'il faudrait. Enfin, il y a des types de pubs qui sont plus impressionnants et plus beaux que la Palace. Parce que là, une pub Samsung énorme, ouais, ce sera juste être énorme, faire une bâche qui sera enlevée un mois après. Mais ce qu'il y a, c'est ce qui se fait un peu en Afrique où ils peignent sur les murs. Ouais. Ils peignent les pubs sur les murs, où ils font appel à des artistes pour peindre une pub. D'accord. Du coup, ça fait qu'il y a moins de pubs vu que c'est plus compliqué à mettre en jeu. Et ça pourrait être Justement, tu me parles de murs et ça me fait penser à un mouvement qui est né justement au lendemain de ces actions, hein, 2004-2005. Il y a le mur justement qui est né, cette association sur Paris qui a deux murs, je crois, ou trois murs, que la mairie de Paris a mis à disposition de cette association. Et tous les 15 jours, il y a un nouvel artiste qui vient exposer dessus. Donc c'est soit de la peinture, soit du collage, enfin il y a tout un ensemble de choses. Et le clin d'œil est même allé jusqu'à inviter Jacques Villeray. Jacques Chirac. Non. Vigée Leray ou Villegeray. C'est en fait c'était des années 60, qui avait à ce moment-là une très belle exposition à Pompidou, qui est venu poser à Oberkampf, donc sur la petite place verte, sa propre affiche. Donc il y avait un clin d'œil en fait des années 60 avec les affichistes, dont le travail était justement de couper et de découper, de déchirer certaines affiches pour essayer d'en révéler quelque chose, de jouer avec ces superpositions d'affiches, quoi. Et donc, voilà, c'était une réappropriation du mur et une réappropriation de l'espace public de cette manière-là. Et donc, du coup, toi, c'est un peu ça que tu espérais. C'est que, justement, ce mur-là, les murs sur lesquels il y a les affiches à l'heure actuelle, soient plus tous pareils, mais qu'il y ait quelque chose d'un peu plus artistique, un peu plus indépendant, c'est ça ? Plus dans le message unique que dans le... Non. D'accord. Mais ce qu'on peut dire aussi, c'est que bon, on est tous différents, mais on n'est pas forcément contre la pub en soi. On est contre le système publicitaire actuel, quoi. C'est-à-dire qui est envahissant, parce qu'il est partout, qui est agressif, etc. Si la pub était remise à sa place, avait un rôle normal, c'est-à-dire que les gens qui veulent de la publicité, on n'est pas contre les gens qui aiment la publicité, il peut y en avoir, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Ils peuvent aller prendre leur journal ou acheter leur journal avec la publicité, ils se regarderaient leur journal, voilà. Vous n'êtes pas le genre à faire la nuit de la pub, quoi. la nuit des publivores. Alors on l'avait faite, mais on avait fait l'église de la très sainte consommation devant. Voilà, okay. C'était très sympa. Alors les gens, il y en a qui comprenaient pas, et puis d'autres qui avaient assez adhéré. Ouais, c'était très sympa. C'est l'église de la très sainte consommation. C'est un culte mondial qui prône le bonheur dans l'acte d'achat. On fait des prières à la consommation. C'est très marrant. On a fait ça devant le MEDEF fin avril. C'était super. Mais c'est consomme.org. Et donc, oui, non, mais si la publicité était. Par exemple, les déboulonneurs réclament que le format des affiches publicitaires soit le même que les affiches associatives, c'est-à-dire 50 cm sur 70. D'accord. Voilà, donc si on veut voir une publicité, on s'approche, on regarde. Ce serait bien. Mais là, elle nous a imposé en 4x3, voire des bâches géantes dans les rues, contre le palais de justice, contre n'importe quel
bâches de travaux, barricades de travaux. Ils mettent de la pub et en général, c'est souvent des fausses barricades d'ailleurs. Mmh. Il y a des pas de travaux derrière, mais c'est un prétexte, donc c'est complètement illégal, quoi. Enfin, ce genre de choses, ouais. D'accord. Mais il pourrait y avoir de la publicité si, voilà, si les gens feraient la démarche pour voir la publicité, c'est très bien, mais pas qu'elle soit comme là. En plus, c'est vraiment une course à l'échalote, quoi, parce que c'est bon, ça permet de parler aussi du problème de la croissance sans fin dans un monde de ressources limitées, c'est impossible. Oui, c'est impossible. Ça. Donc il y a un moment, stop, il y a un problème dans le système, là, s'il vous plaît. Alors. Et la pub est le moteur de la société de consommation, quoi. C'est vraiment le moteur de la société actuelle. Et pour vous, la lutte anti-pub est le moteur de votre collectif et de votre association. Et donc, du coup, vous organisez quand même un certain nombre de choses. Donc, je sais que tous les samedis, vous organisez un atelier de... Je sais pas comment on appelle ça. Leïla ? De détournement d'affiches et de dessins. Enfin, des fois, on se met aussi à côté de dessins debout et d'accord. On met notre matériel en commun et c'est où on... Et c'est à 16h au fond de la place. Et vous avez place. Beaucoup de succès parce que ça fait plusieurs semaines que je vous vois déjà. Ouais. Ouais, quand les gens ils voient tout qui est posé par terre, souvent ils viennent, ils regardent et puis on leur dit que c'est ouvert à tout le monde et juste prenez un feutre et d'accord. Ils se mettent à dessiner parce que tout le monde a un petit peu aussi envie de dessiner de temps en temps d'accord. Et faire des, donc faire c'est des détournements de et des petites le blagues. Le plaisir de dessiner et le plaisir de barbouiller sur une affiche, qui c'est ça. Ouais. D'accord. Et puis chacun aussi, du coup, on a des messages qui diffèrent beaucoup. Enfin, il y en a qui n'ont pas du tout de rapport en fait avec le mouvement anti-pub, oui. Mais c'est juste par rapport à ce qui se passe à Nuit Debout ou d'autres commissions. D'accord. Et du coup, qui utilisent ça aussi comme moyen pour... Créatif pur, quoi. Voilà. Ouais. Alors, il y a ça, et puis il y a aussi d'autres événements que vous faites. Donc, j'ai vu arriver avec votre matériel de propagande. Ouais, exactement, ouais. Alors, ouais, bah, on organise. En fait, ce qu'on peut dire, c'est que déjà tous les dimanches. Sortez l'affiche aussi, ouais, c'est drôle. Mais ça, c'est l'événement, ouais. Je vais en parler. Mais tous les dimanches à 19h, à partir de 19h à la BAM, c'est la bibliothèque associative de Malakoff. Ouais. C'est 14 impasse Carnot à Malakoff, c'est à métro Malakoff-Étienne Delay. Tous les dimanches, à partir de 19h jusqu'à 23h. Ah ouais, non, mais c'est pas de la publicité parce qu'on n'a rien à vendre, on ne vend rien et on ne gagne rien, d'accord. Mais bon, si vous voulez, on peut dire que c'est de la pub au premier sens du terme. Vous y gagnez de la présence. Voilà, tout à fait. Il y a des gens, donc, vous, y a des ateliers, vous auriez envie venir qu'il y ait des gens qui viennent, quoi. À 19h, après être allé samedi à 16h ici pour l'atelier. Dimanche, tous les dimanches à 19h. Alors attends, déjà, est-ce qu'on arrive à bien voir Malakoff. Et donc, on organise une soirée festive parce qu'on s'est dit autant se faire plaisir aussi de temps en temps. Ouais. Et là, on va faire cabaret. D'accord. On appelle ça BAM la pub. Et ce sera vendredi prochain, vendredi d'accord. 20 mai. À partir de 19h30, au même endroit, à la BAM. Voilà, et donc on dansera sur des airs de pub, c'est ça ? Alors, on ne va pas forcément danser, parce que bon, on va faire des tas de choses. C'est-à-dire que là, on ne sera plus militant, on ne sera plus anti-pub, on ne sera plus féministe. Oui. On sera des gros beaux fréacs, comme tout le monde. On se comme fera tout plaisir. Le monde. Non, oublie, vous n'êtes pas des beaux fréacs. Peut-être pas tout à fait comme tout le monde. Peut-être pas comme... Mais bon... parce qu'il y aura des trucs militants qui seront bien sympas. Parce que c'est assez marrant parce que ça permet de voir aussi les talents. Il y a souvent d'accord. des talents cachés chez les gens comme toi et moi. Il y a une sorte de fibre ou d'ADN anti-pub que vous essayez de dégouffrer. Il y en a qui vont jouer du saxo sans les mains. Il y en a qui vont jouer de la musique, donc qui vont faire une chanson militante. D'accord. Il y en a qui va faire de la magie, paraît-il. D'accord. Il y a de la vraie, super. Il y aura une expo, puis aussi on va exposer des affiches, ouais, qui ont été des détournements ou des affiches anti-pub d'accord. qui ont été faites. Donc, voilà, ok, c'est très bien. C'est un programme très riche et surtout assez ouais. festif. Tant mieux, ouais. on a besoin de faire un peu la fête, hein, c'est dans voilà. ces temps-ci. Bon, je vous remercie beaucoup. Merci d'être passé parmi nous. Si on veut vous retrouver sur le web, on fait comment ? Alors, il y a plusieurs moyens. Ouais. Vas-y, oui, vas-y, Sacha. En gros, on a une page Facebook de la commission anti-pub Nuit Debout. Super. On a le Framapad. Je connais pas l'adresse non, précise. Non, mais vous avez peut-être un compte Twitter. On n'est pas sur Twitter. On a le juste Wiki, Facebook et une adresse mail qui est antipub.nuitdebout@gmail.com. D'accord. Super. On est complet avec ça. On va rendre l'antenne. On va revenir en AG. Je vous remercie. Pour avoir assisté, puis on se retrouve tout à l'heure avec une autre commission dans quelques instants. Merci à vous.